Alors moi c'est Julien Jobat, je suis on va dire le propriétaire de ce lieu-là, mais le gestionnaire bordélique de cet endroit aussi, qui s'appelle la petite maison utopique. La petite maison utopique, pourquoi? Ben parce que ça ressemble à une maison. Mais pas pour ça d'ailleurs, parce que c'est l'acronyme de PMU. Puis on aime bien les lieux populaires, ce genre de choses. On est un sacré paquet parce que je fais adhérer tous les gens qui viennent. Et c'est la grande maison, l'association La Grande Maison. C'est un café aussi où tous les produits qu'on a ici, mine de rien, viennent de 15 km à la ronde. Tous les softs sont prix libre, toutes les entrées sont prix libre. Il y a juste les alcools, évidemment, qu'on fait payer un prix normal, quoi. Ouais, il y a des expos, des concerts, des spectacles pour les enfants, il y a un coffre à jouets, on fait des soupes populaires. Tout un tas de trucs qu'on ne peut plus faire depuis le Covid. Donc on a organisé, par exemple, pour le 21 juin, la fête de la musique verticale. On a un balcon et 3 étages. On a notamment fait, avec la Récupérette, qui est une asso amie, un défilé de mode qui se passait sur le parvis. Donc du coup, les gens rentraient par la porte de gauche et sortaient par la porte de droite. Et le public était juste devant là. On est autonome financièrement. Ce qui est assez rare, hein, quelque part dans les cafés associatifs, on va dire. Je suis en train de monter un cabinet de curiosité, d'antiquité, technologique et domestique. Tu as vu passer un agra tout à l'heure, un téléphone, la cassette, les magnétoscopes, tout un tas de genres de choses comme ça, quoi. Des choses que nos gamins, les gamins en général, ne connaissent plus, ne connaissent pas. Là, le prochain événement, en fait, on va faire une espèce de triangulaire. Comme on ne peut pas faire les choses avec beaucoup de gens à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est des petites sessions de 15 minutes de concert pour une dizaine de personnes, ici. Des lectures aux villes invisibles et chez le luthier, des initiations. Et on va sortir tout le mobilier et on va faire un salon sous les halles. Et qu'est-ce que je pourrais te dire de plus, bordel de merde ?